Antonin, on vous a vu premier à la sortie du premier tir couché. On peut être premier à la sortie du premier tir et avant-dernier à la sortie du quatrième tir. C'est ça le biathlon. Ouais, c'est facile, hein. C'est facile à faire. C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens, je crois. Ouais, clairement. Dimanche dernier, c'était presque l'inverse. Et voilà, cette mass start, elle est cruelle. Moi, je suis un peu malade. J'ai pris froid les premiers jours quand on arrive à Oslo. C'était le printemps, j'en ai profité et j'ai chopé froid, voilà, et je me suis fait avoir. J'ai plus beaucoup d'énergie et pourtant j'arrive à sortir en tête de ce premier tir. Donc voilà, j'ai eu mon moment de plaisir sur cette course. Et ouais, je voudrais dire que la mass start, c'est vraiment une course particulière. J'étais 7e du classement général ce matin, là je suis 11e. Je sors des 10, donc c'est quand même frustrant. Et c'est aussi une course qui me permet d'être médaillé mondial cette année. Donc voilà, il y a de l'amour, un peu de haine et on va vivre avec ça. Il va falloir revenir sur cette mass start l'année prochaine pour vivre nouveaux épisodes entre Antonin et la mass start, ou nouvel épisode de cette nouvelle histoire d'amour. Ouais, bien sûr, il y en aura d'autres. J'ai pas prévu d'arrêter cette année et y aura moyen de jouer, parce que la mass start c'est du jeu tout d'abord, et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait au premier tir. Et voilà, j'essaierai de vous faire vivre encore des moments comme on a pu faire dimanche dernier. Et je voudrais remercier à l'équipe d'offrir le biathlon comme ça aux gens, même s'il y a des pubs, hein. Il y en a de plus en plus de gens qui se plaignent des pubs, mais Saoud, sans pub pas de biathlon aussi et pas de sport, hein. On est placardé partout, c'est comme ça que ça marche. Donc merci à tout le monde de nous suivre, et puis rendez-vous l'année prochaine pour la saga du biathlon sur la chaîne L'Équipe.